Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Ça pourrait m'aider à sortir d'ici.
Est-ce que je viens d'imaginer tout ça? Non. C'était... Et cette chose? C'était la réalité ou mon imagination? Cet endroit est scellé. T'as compris? Ok. Porte verrouillée, fenêtre sécurisée, courant coupé. Rien ni personne pour rentrer. Même pas toi, Aid. Trouve-toi une autre planque! Cet endroit est scellé. T'as compris? Merde. J'hallucine. J'ai pas signé pour ça. C'est bon. Tout ira bien. Je suis en sécurité. J'ai plus qu'à attendre que ça se termine. C'était quoi ce bruit? Quoi? Comment il a pu entrer? No!
dirait qu'il est verrouillé par un mot de passe. Toujours debout, Kidman? Pas de repos pour les braves. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à croire que Lily soit vivante. L'incendie... Lily n'est pas morte dans l'incendie. Vous le savez maintenant. Dites ça à mon cerveau. Dites ça au cauchemar que je fais depuis des années. Pourquoi l'ont-ils emmenée? De toutes les petites filles du monde, pourquoi la mienne? Je n'ai pas de réponse à ça, Sébastien. Mobius a enlevé Lily bien avant que je les rejoigne. Je sais que vous ne croyez pas aux coïncidences. Mais peut-être que vous voyez un complot parce que vous le voulez. Vous savez, certains crimes arrivent comme ça, sans raison valable. Juste une personne qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Non. Je refuse de croire ça. Quoi qu'il en soit, l'incendie est un souvenir que vous devez oublier, Sébastien. Ce n'était pas votre faute. Et vous n'avez pas perdu Lily à cause de ça. Ne l'oubliez pas. Merci, le chat. Vous n'arrivez plus à vous passer de moi, on dirait. Ne croyez-vous pas que le moment est venu d'avancer ?
Ces pièces devraient m'aider à réparer le fusil de précision.